revenue à la case départ. Au secours. Moi, je pense, appelons les pompiers. Ça fait 15 minutes qu'on marche et sur quoi on tombe? Barre à 25 mètres. Si c'est pas un signe, ça, non? Allez, c'est par là. Oh, mais il faut tout faire ici. Hein. Tu parles de vacances? Il faudrait peut-être que je vous dise où on est, hein, parce que et exactement ce qu'on fait ici. On s'en va pour se rendre jusqu'au refuge des merveilles. Et j'avais très envie, ça fait un moment déjà que je voulais venir dans la vallée des merveilles l'hiver. Et j'en profite là de la réouverture de la route qui monte jusqu'à Castirino pour monter jusqu'au refuge des merveilles. Bon, ça fait 10 fois bientôt que je m'arrête pour filmer à chaque fois un panorama par-ci, par-là. Mais je peux pas là, je peux pas, c'est trop beau. On ne doit pas être loin du refuge. On est à 30 minutes. Il y a une lumière aujourd'hui. C'est éblouissant. Je pense qu'on est en dessous du mont Bégo et on aperçoit au loin le Grand Caplet. C'est un sommet que j'affectionne particulièrement. Je l'ai fait deux fois et deux fois dans les nuages. C'est un sommet majestueux que je trouve vraiment très beau, qui domine la vallée des merveilles et la Gordolasque. J'ai omis de vous dire que je partage ce moment avec Véro. Un moment toutes les deux. Les tables sur lesquelles on prend l'apéro l'été sont partiellement enneigées. Bon, allez, à mon tour. Ah, ça y est. Attention, t'as une marche. La vaisselle. Le poêle. Là, il y a un petit mode d'emploi, refuge non gardé, mode d'emploi à garder. Donc il y a marqué différentes choses. Nous sommes tous les gardiens du refuge. On range son matériel, on laisse propre, on embarque les déchets, on vérifie que le feu du poêle soit éteint. On referme bien les portes pour éviter que les prochaines intempéries dégradent le refuge. Et puis, regardez-moi ce panorama. Là, on a le lac Long supérieur, juste en dessous. Derrière le petit muret là, qui fait office de barrage, on a le lac Long inférieur. Il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est longer les lignes de crête en zoomant avec l'appareil photo. Alors je sais que ce genre de vidéo nécessite d'aimer la lenteur. Et la dernière fois, je lisais un article qui expliquait que aujourd'hui les jeunes, et même pas que les jeunes d'ailleurs, regardent les vidéos en accéléré. Même des séries ou des choses qui nécessitent d'être regardées normalement, ben non, c'est regarder en accéléré. Je trouve ça tellement dommage, cette obsession de vouloir aller vite et finalement nous fait passer à côté des choses. Je vois vraiment aucun intérêt, puis en plus je trouve que c'est une source de mal-être. Alors quitte à ce que vous trouvez ça ennuyeux de juste écouter l'eau du tuyau s'écouler ou le soleil se coucher.
soleil se couche. Vous avez la cime des lacs. Juste là, vous avez la cime du Trême. Le pas des Verrerier qui est par ici. Le pas de l'Arpède qui est à côté. Et après, on arrive sur le Mont des Merveilles et sur ce que je vous disais tout à l'heure, le Grand Caplet. Oh mais il faut tout faire ici, hein. Tu parles de vacances. Putain, elle a pas les pneus neige. Stop, tu as pas entré la porte. Je pense que là, j'ai le permis brouette. J'ai le permis brouette. Je l'ai ? Oui. Bon, c'est bon. Voilà la douceur de la chaleur du poêle qui arrive, mais je vous dis pas avant d'arriver à ça ce qu'on en a bip parce que on a eu du mal, hein. Ça a été difficile. Finalement, on est revenu à la case départ. Au secours, moi je pense, appelons les pompiers. De toute façon, on pourrait passer une soirée avec des pompiers. Non mais tu veux pas qu'on passe une soirée avec des pompiers, sérieux? C'est comme ça que ça va finir, les pompiers vont monter. L'apéro, petit vin rouge, d'accord, bouteille miniature, et cacahuètes. Allez, on fait péter là, parce que là... Je viens d'essayer de faire des photos là de ciel étoilé pendant 1h20. Le ciel est grandiose, il n'y a pas la lune, les étoiles ressortent super bien. Là, Véro est dehors depuis un moment, puis... Là, je vais aller me coucher aussi. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain matin. Bonjour. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Et là, je suis allée voir si le soleil était levé sur mes sommets. Et effectivement, là, ça se lève doucement. Moi aussi, je vais me lever doucement. Je vais aller prendre un bon café. Puis tout ranger pour redécoller ensuite. Alors ce matin, c'est café chimique, mais c'est tellement bon quand on a froid. Et le bon cake que m'a fait, quoi, que nous a fait maman, hein, avec du rhum dedans, donc de bon matin, voilà, ça réchauffe. Ce matin, là, on voudrait voir un peu la vallée des merveilles un peu plus en profondeur. Donc, on va essayer de s'avancer dans la vallée des merveilles. On va voir parce que bon, là, il n'y a pas de sentier. Et l'hiver, c'est quand même pas la même chose. Au cœur du parc national du Mercantour se trouve un des sites de gravure rupestre les plus importants d'Europe. Gravé sur des roches modelées par la glace, on y trouve environ 50 000 signes datés du néolithique, de l'âge de bronze, mais aussi de l'époque romaine jusqu'au XXe siècle. Ce patrimoine exceptionnel est protégé par des règles afin de préserver ses vestiges. Je pense par exemple à l'obligation de rester sur le sentier dans la zone de gravure, au fait de ne pas utiliser ses bâtons ou de les protéger avec des embouts en caoutchouc, de bivouaquer dans une zone dédiée et de faire appel à un guide agréé par le parc du Mercantour pour découvrir les gravures. J'ai trouvé exceptionnel le fait de découvrir les gravures dans un contexte hivernal. Imaginez qu'il y a des milliers d'années, des hommes ont vécu ici et ont laissé des traces de leur passage, apporte une dimension encore plus forte à ce lieu. Les montagnes ont souvent inspiré les religions primitives qui les ont considérées comme des points de rencontre entre le ciel et la terre. Les montagnes permettraient de s'élever vers le ciel, de mener une ascension spirituelle et d'entrer en rapport avec les divinités. La majorité des gravures rupestres se trouvent sur le mont Bégaud, qui a vraisemblablement été considéré par les hommes du passé comme un lieu sacré. Gravir cette montagne pouvait représenter un effort exceptionnel et était réservé à quelques initiés du service divin. Là, ils ont gravé environ 40 000 signes qui semblent composer un véritable langage symbolique.
Là, on arrive au lac des Merveilles, qui se situe juste là. Et si on continue dans le fond, derrière là, il y a la baisse de la Valmasque. On est en train de redescendre donc la vallée des Merveilles. Je vais vous laisser ici, avec le pas de l'Arpette dans mon dos. Là, je voulais faire un petit dernier point quand même sur la montagne en hiver. C'est vrai que c'est magnifique. Avec la neige, c'est peut-être encore plus grandiose, mais aussi plus hostile, je trouve, encore. En hiver, c'est encore autre chose, avec la neige, le froid. Moi, je vous filme certaines scènes de manière assez poétique, parce que pour moi, la montagne, c'est beau, mais ça reste aussi dur, et parfois, ça peut être compliqué. Donc voilà, ne partez pas comme ça du jour au lendemain, sans avoir jamais fait de randonnée, sans connaître le milieu montagnard, en hiver par exemple. Voilà, c'était pour vous rappeler que oui, c'est beau, oui, c'est génial de faire ça, mais il y a aussi toujours la notion de danger à ne pas oublier. On sait que ça, le risque zéro n'existe pas. Et voilà, je voulais vous le dire parce que je dis toujours c'est magnifique, c'est beau, je m'extasie. Et j'oublie peut-être de dire que aussi, je vous filme pas les moments où je sors pas la caméra, je me concentre sur ce que je fais. J'espère en tout cas que cette virée dans la vallée des Merveilles en hiver vous aura plu. Moi, je me suis régalée. J'ai adoré ce moment. Je remercie Véro de m'avoir accompagnée dans ce périple. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, eh bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Thank you.